Et bonjour à tous, c'est David et on se retrouve aujourd'hui pour le 38e épisode. Je suis parti parce que j'étais nauséeux, enfin barbouillé. Donc j'ai décidé de venir ici et j'ai réussi à faire un encadrement de porte ici, une porte ici. J'ai fini le petit passage là. Au final, j'ai pris la chaise aussi, j'ai dormi sur la chaise. Il fait très froid. Ici, on a trois planches. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prenne encore une charnière, une poignée de porte. Pour sécuriser le tout, on n'est pas du tout embêté, j'ai pas entendu de zombies. Donc c'est très bien comme ça. On continuera comme ça. On a un petit peu faim, donc ce qu'on va faire, c'est on va manger cette boîte. Continuer encore un petit peu le nettoyage. Hop. Fumer une petite cigarette. On va rentrer par le même endroit. Je pense. Parce que. Ouais, non, l'étage, il n'y a rien. On va tenter de rentrer par là cette fois. Ça va changer un petit peu. Ça va changer un petit peu. Nous sommes bien au mall. Toujours fidèle au mall. Qu'est-ce que tu as? Un sac militaire? J'ai vu des chaussures. Mes chaussures, elles sont abîmées. Donc je vais vite fait prendre celle-ci. Hop, enfile-moi ça. Parce que l'autre était abîmée. Voilà, on jette celle-là. Alors, est-ce qu'il y a du monde là-dedans? Ouais, ça s'est vachement calmé. On en a déjà tué énormément ici. Il y a peut-être éventuellement un petit peu de nourriture. On va regarder tout de suite pendant qu'il n'y a pas de zombies. Du pain pourri. Trop bien. Que des trucs pourris. Torchon, couteau, machin, machin. On s'en fout. Dans le frigidaire, un petit yaourt frais, on va le manger. On va lui faire ce petit plaisir. Part de gâteau pourri. Non merci, ça n'est pas pour moi. On va remplir le vapeau. L'autre vapeau est à 9. On va le remplir aussi. On va vite fait... non, pas se laver. Vapeau, est-ce qu'il l'a remis là? Il l'a remis là, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les couloirs sont très étroits. Ok, ça redonne là. Parfait. On sait que si on a besoin de planches, on peut démonter ces tables-là pour avoir des planches. Chose qu'on fera. Si on a besoin. Ok, ça vient de dehors. Non, il passe devant seulement. J'entends du zombie. Lui là, sa tronçonneuse encore. J'ai peur qu'il l'allume une fois vers moi. Il l'allume dans la tronche. Ok, là y a personne. Et c'est là où on entend beaucoup de zombies dehors. Donc on va se méfier. On va se méfier de tout ça. On va continuer le nettoyage. Pendant qu'il n'y en a pas beaucoup. Dès l'instant que ça rentre, de toute façon ils peuvent pas casser ici. Comme je l'ai déjà dit. Viens voir, papa. Hop, petit magasin de vêtements qui nous intéresse pas, mais alors pas du tout. L'arrière du magasin, non merci aussi. Le nettoyage il se fait très bien. Il a bien dormi sur sa petite chaise là. Si on peut trouver un petit lit comme ça, je le démonterai, je le prendrai. On serait encore mieux. Allez. Toi aussi tu meurs, c'est parfait. Par contre. Ok, c'est ça que je crains.
et que ça tombe de l'étage supérieur. Un petit moins 2, on va continuer de nettoyer tout ça, on va pas monter tout de suite. Ça va, on les aligne relativement bien. Je viens très fort à la lance. On va donc en profiter. Alors toi, t'as un petit truc dans le dos, qu'est-ce que c'est? Ah c'était une... T'es blanche hein, ça va pas bien. Alors ici, petit magasin de bijoux. Apparemment. Ouais, collier en or, on est riche, ça y est. Nous sommes riches. Toujours des canapés. Ah. Il nous en fallait une charnière et une poignée. On va prendre ça tout de suite. La petite planche. Voilà, on aurait de quoi se faire. La deuxième porte. Entends du zombie, je sais pas où il est. Ici on peut monter, ici. Il y a un petit peu de... Je sais pas si c'est du bricolage, je ne pense pas. On va aller voir ça, ici pareil, je crois qu'il y a des petits meubles. Non, c'est des vestiaires. Pour essayer tout ça. Est-ce qu'on peut dormir là-dessus? Oui, on peut dormir. Ça serait, on dormirait même mieux là-dessus. On verra ça. Je trouve pas de lit, mais je crois qu'il y a un magasin de mobilier là. Voilà, voilà. Il y a des lits. Il y a des télés qui fonctionnent à l'étage. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout ce qui touche à la nourriture. Ouais, ça nous intéresse pas plus que ça actuellement. Quelques zombies par là-bas. Ici, des ampoules. Des commandes de télé. Des bocaux. Il y en a un qui arrive, on va se méfier. Des petites lampes. Ok. Rien d'intéressant pour le moment. Là-dedans. Crayon, sac, ficelle, élastique. Bonbonne. Ouais, c'est pas intéressant. Le lit, on va voir. Je sais pas lequel, hein. Celui qu'on pourra prendre. J'ai envie de dire. Est-ce que ça, on pourra le... Non, c'est pas démonter, c'est... prendre logiquement. Il nous faudra un marteau, d'accord. On reviendra avec un marteau. Lui, c'est entièrement fait bouffer. Ça, c'est con. Donc là, on a déjà bien avancé dans le mall. Tout ça sans arme à feu. Et cela, il fonctionne. Si on voit un petit peu de nourriture fraîche, on peut éventuellement en mettre là aussi. On va juste retourner un petit peu en arrière. Ah, ça nous contourne en bas. On l'a vu. Un ici qui est venu de derrière, certainement. Il y en a un qui rentre derrière aussi. Ouais, il est là. Lui, on va se le faire aussi. Enfin, eux deux. Non, il est tout seul avec ça. Elle est toute seule avec sa tronçonneuse encore une fois. Ok, on domine largement. On s'en sort très très bien. Je vais juste me mettre là. Et garder la vue par ici pour pouvoir me faire... hop là, l'aspire, on la jette. Et normalement, on a pris la planche. On va fabriquer une lance. Ok, ça vient. On a eu le temps de lui mettre un petit coup sur la tête. Toi aussi, viens là. Ok, il y en a un autre ici. Ils ont décidé de me faire chier. On y retourne.
Et je veux me faire ma lance. Fabriquer une lance. Parfait, maintenant tu me l'attaches au dos. Ok, donc là maintenant, on peut rediscuter. Le pied de biche, je le prends pas, j'aime pas. J'aime pas trop. Donc là, on va retrouver quelques zombies. Il y en a un en bas, on va essayer de l'éliminer déjà. Ok, c'est très très bien. Ici. Oh, mais ça vient d'en haut. Alors si on en a derrière nous, ça c'est pas cool. Non, s'il te plaît, qu'est-ce que tu me fais là? Voilà. Tout se passe pour le mieux. Ici, petit... petit coin. Ouh, ça en attire beaucoup. On peut la prendre vite fait. Parfait. Pour pouvoir se refaire une lance juste après. Ils sont gogol, ils vont passer par là. Ils ont plus de cerveau, les pauvres bêtes. Ici, ça dit quoi? Oh là 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 là. Ici, ça dit qu'il y en a plein. Ici, ça dit qu'il y en a plein. Allez, venez par là. Un par un. Pour l'instant, ça va. Il y a un rampant en bas, on l'a vu aussi. On l'a vu. Tu veux mourir, toi, s'il te plaît? Ok. Toi aussi. Parfait. Hop là, toi, tu meurs. On commence à être essoufflé. On a des lits, hein. On peut se reposer vite fait. Là, c'est pas un problème. Il y a des chaises. C'est pas ce qui manque. Juste, voilà. Pas trop, trop en attirer. Pour pouvoir gérer tout ça, justement. On va se reposer ici. On regarde à gauche, à droite. Voilà, on n'est plus essoufflé. On peut y retourner. Avant qu'on soit dans la panade, j'aimerais fabriquer ma lance. Voilà, et voilà, c'est tout quoi. Il est très fort, franchement, c'est un régal. Juste à la petite lance de bois, une arme qui est illimitée du coup. Avec le nombre d'arbres qu'il y a. Je regrette pas de ne pas pouvoir prendre le katana parce que je trouve que c'est déjà relativement facile comme ça. Avec le katana, ce serait encore pire. Oh oh oh, vise la tête. Il est encore essoufflé. Je vais juste me reprendre la petite hachette. Mais des petites baffes comme ça. Le rampant, on l'a vu. J'aimerais faire lui d'abord. Il passe dans mon salon. Ok, il y en a un derrière. Il faut tout le temps regarder derrière nous. C'est ça qui est bien, c'est qu'à tout moment, on peut vraiment être dans la panade. Hop là, il n'y a personne. Parfait. Ça va faire du Z, hein. On va vite fait se mettre sur la chaise, là. Se reposer un peu. Hop, on va faire comme ça. Hop, se reposer. Et pareil. Tout en accéléré. Lui, on l'a vu. Ok. Il est venu bien vite. Mais Tim l'avait vu avant. On fait un petit accéléré. On respire, on souffle. On inspire, on expire. On peut y retourner. La lance, on la met par terre. Et on reprend la nouvelle.
C'est un char, Tim est un char. Il écrase tout le monde sur son passage. Le moule commence à se vider, mais bon. Et psst. Et bien par là. J'ai pas hurlé. On va récupérer cette planche. Lui, il va vite là. Oh, ok, il y a un runner là-haut. Il y a un runner. Il y a un rampant qu'on n'avait pas vu. Il est juste ici. J'aimerais le rampant. Voilà, le rampant d'abord. Toi ensuite. Ensuite, c'est à ton tour à toi. Et après, c'est le runner que j'aimerais parce que du coup, je suis plus serein. Je sais qu'il est là. Je sais pas lequel c'est. Est-ce qu'on m'a vu? On m'a vu, lui aussi. Il a une hachette dans le dos. Bah continuez à m'apporter des armes les copains. Je vous aime. Et toi tu meurs. Toi aussi. C'est ton tour, lui il a une arme dans le dos, le flic. Mais ça va être un double barrel shotgun je pense. C'est pas intéressant. Alors toi qui a ma hatchette. Hop. Et elle est en bon état en plus. C'est parfait. Toi qui m'a vu. Où est le runner? Il est là. Ok. Oh. Voilà, on a réglé le compte au runner, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, j'ai tapé un tout petit peu trop tôt. Faut que j'anticipe un peu moins. Pour le prochain coup. On va tuer ces deux-là, se fumer une petite cigarette. Et se poser en même temps. Voilà. On va... légèrement accéléré. Je fais la toupie. Ok, ça vient. On va fumer une petite cigarette. Voilà, faut pas que tu viennes là, toi. Je crois que les magasins d'armes, les magasins de bricolage, je l'avais pas vu lui. Je crois que le magasin de bricolage, il est à l'étage. On va prendre ça, on va prendre la poignée aussi au cas où. On en a besoin. Je crois qu'on en a pas besoin. Mais, ça ne coûte rien. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Comme un petit une salle à manger. Une salle de repos. J'aimerais voir s'il y a du monde. Et personne. J'entends un zombie certainement au-dessus. De toute façon, maintenant ce qu'on fera c'est qu'on ira à notre cabane de pêcheur. Tu vas me manger ça. Là tu vas me fabriquer une lance. Voilà, et comme ça, ce que tu peux me faire, c'est ça, l'équiper à deux mains. Comme ça, tu en auras deux. Tout de suite. Ici, il n'y a rien. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Des gommes, t-shirt, bob, trombone. Je sais pas à quoi servent les trombones. Okay. Et rien d'intéressant. Hop, on va juste boire un petit coup, remplir le vapeau. Se laver,
On sait jamais si on se fait égratigner. J'aimerais pas être infecté. Nous sommes tout beau, tout propre. On se dépêche de sortir de la demeure ici. La table dehors, je sais pas où c'est. Alors. Ok, c'est revenu un peu. Mais de l'extérieur, je pense. Et puis lui a tapé. Lui a tapé là, là, il attire tout le monde là. On va se dépêcher de faire ça. Ici, c'est relativement calme. L'idéal, ça aurait été qu'on mette une voiture pour bloquer la porte. On va tuer ce petit groupe là. De toute façon, sinon il va rentrer à l'intérieur. Il va falloir qu'on le tue. Ouais, je t'ai pas vu. Je ne t'avais pas vu. Parfait. Et ces voitures ont l'air en très très bon état. Dis-moi qui a la clé. S'il te plaît, ou au moins de l'essence. On va déjà regarder l'essence avant toute chose. Réservoir, panne d'essence. Ok, c'est pas grave. Il y en a plein. Faut qu'on en trouve un pour condamner l'entrée. Hop. Le petit spiffo. Ah, il y a 2 litres. Il y a 2 litres, celui-là, ça peut le faire. On va prendre ce camion-là. En plus, il y a la clé. On va juste se prendre les pansements. Et on va le mettre de façon à bloquer la porte d'entrée. Logiquement, là, la porte est bloquée. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils peuvent traverser en dessous, mais que de part en part, mais pas en long comme ça, je pense. Donc on va essayer de toute façon. Le but étant de vider le môle et non de le re-remplir. Je suis très fier pour l'instant de Tim. Il s'en sort très très bien. Et heureusement qu'on a commencé à le faire jouer à la lance avant. Ça lui a permis d'avoir des armes illimitées justement pour le mall. Et de bonnes armes. Grâce à la menuiserie niveau 8 qu'on a aussi. Une voiture presque neuve ici. On est obligé de refaire le tour, donc c'est pas grave, on nettoie. On nettoie, ce n'est pas une corvée. Hop, on prend l'autre tout de suite. Et maintenant, faut mourir. Non, faut mourir, merci. Impeccable. Hop. Ce petit groupe là on va éviter. On va se faire ce petit groupe là. Allez, maintenant faut mourir. On trouve un pompier. S'il vous plaît, je voudrais un pompier. Elle a l'air magnifique cette voiture. Petite Ford Mustang comme on avait en rouge. On a dû abandonner. Ouais, regardez-moi ça. L'état, il est parfait. On va les fermer. Je m'en serais douté. Ok. Ok. On vient pas pour ça de toute façon.
Je repartirai d'ici avec la petite Porsche qu'on a vue un petit peu plus haut. Parce que oui, je compte bien repartir d'ici vivant et pas les deux mains en avant. Et en criant chair humaine, cerveau, tout ce que vous voulez. Ici, l'idéal aurait été de bloquer aussi. Là, ça s'est re-rempli un petit peu. On fait un peu de bruit, donc c'est logique. Ça, il les attire aussi. Non, je le savais. Pas besoin de faire ton petit coup de violon. Viens voir papa. Merci. Ah bah lui, il est beau, lui. C'est quoi, c'est une ghillie, ça? Ah non, c'est une tenue. Oh, ils font du boucan les voisins, ils sont chiants. Ils sont chiants, je croyais que c'était des zombies. N'importe quoi moi, ça y est. Ça y est, ça me travaille le cerveau. On va récupérer une planche ici, on n'a plus de lance d'avance. Hop, on fait ça vite fait. On va aller voir au bout là-bas où ça mène. On est déjà venu ici. Ah, ça fait faire tout le tour. D'accord. Par contre, si jamais il y a du zombie qui arrive derrière et devant, je suis fichu. Donc, dépêcher. Oh, bah regardez-moi ça. Un stockage. Eh, une télé. Mais non, mais on s'en fout. Une cagoule. Pull. Ouais, tout ça, c'est que des vêtements. Casquette. Un bonnet, télévision, nanana, nanana, nanana. Non merci. Ok, ah c'est quoi ça? Aiguille à tricoter. Non mais ils croient que je vais tricoter moi, sérieux? Ils m'ont pris pour qui? Ah, clé quoi? Ah non, lampe noire. Oh là là, j'ai vu clé. Oh, n'importe quoi, ça y est. Ça y est, je tue trop de zombies. Ça me travaille le cerveau. Il nous faut une corde. Je ne change pas d'avis. Il nous faut une corde. Et ça ramène ici. D'accord. À l'endroit où on l'a nettoyé. Parfait. On va se mettre là pour se reposer un petit peu. Ok, lui il croit qu'on ne l'a pas vu, il vient doucement. Je sais que tu as quelque chose qui pourrait peut-être m'intéresser. Non, en fait, non. Tu es nul. Toi, tu es archi nul. Espèce d'incapable. Allez, repose-toi vite fait. Oh, ça vient, on arrête là. De toute façon, on est en pleine forme. Et la lance qui casse. C'est pas vrai. Fabriquer une lance. Hop, attaché sur le dos. Et pourquoi on est encore un peu lourd là? Ça, tu vas me le mettre dans le sac à dos. Est-ce que tu as autre chose? Non. Oh, il y a une montre. Regardez, la montre sonne, ça attire des zombies. Ok, pour l'instant, franchement, ça se passe à merveille. Je ne veux pas... Oula, toi, je t'avais pas vu. On va faire attention à ça, justement. Les petits malins qui se sont cachés. On va faire... Psst, psst, psst. Eh, hey, psst, eh hey. Eh, psst. Lui il est sourd. Lui il est sourd. Allez. Ça c'est fait. Au suivant. Personne derrière encore. Allez, prends-toi mon petit coup de bâton dans les dents. Ça tape en bas.
va tirer les aides, c'est bien, ça va en faire descendre un petit peu. Qu'est-ce que tu avais comme couteau? Un petit couteau de cuisine. Ouais, non, merci. Comment t'es habillé, toi? Eh, c'est pas Halloween? Ben si, au jour d'aujourd'hui, c'est bientôt Halloween. Mais ça ne te donne pas une raison de faire ça. On commence encore à être essoufflé. Le très surpoids commence à être vraiment dérangeant. Ok, on va se prendre vite fait la planche. Il y a du zombie là-bas. Ok, là il y a... Ouh, ça a cassé où là? Ça casse des trucs, ça doit être au-dessus. Parce que là, il n'y a rien. Les armoires, c'est très sombre ici. Ça marche beaucoup, c'est au-dessus apparemment. Bédodo, c'est papa qui est venu. Elle écoutait la musique, elle. Oh là, toi, tu m'as pris une surprise. Ok, la porte là est ouverte. Oh, je t'ai vu arriver. Oh, je t'ai vu arriver. Il y en a un autre qui est sorti. On entend un ici, c'est bizarre. Ok, jusque là tout va bien. Là ça donne en extérieur. Donc ce que j'ai fait avec le camion, ça ne sert à rien. Ouh là 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 là, on va éviter de faire tout ça. Ils peuvent venir un par un. Mais quand je ne suis pas essoufflé, ça serait bien. Ok, la lance qui casse, encore une fois. On va, hop là, courir. On va se refaire une petite lance, fabriquer une lance, on peut pas en marchant, évidemment. Devil, tu fais le con. Arrête là, et ici on fait fabriquer une lance. Ah lui je l'avais pas vu. Lui je l'avais pas vu. Madame. Bonjour madame. Sans cesse des erreurs encore. À mon avis, c'est le mode que je vous parlais la dernière fois pour le katana. Et si ça me dérange pas, ce n'est pas bien grave. Allez, venez là, mes petits. J'ai l'impression, franchement, de leur rouler dessus. Ouais, c'est, j'ai vraiment cette impression-là, vous savez, de... Limite, je suis dans un char, j'écrase tout le monde, quoi. Je suis pas débordé. Donc c'est peut-être ça qui fait que j'ai cette impression-là. Ici, on revient ici. Ouais, ok. Pourquoi pas, on va faire ça. Lui, il est beau, lui. Il est beau, Jeannot. Allez, à genoux devant moi. Bande de vermine. Oh lui, il a une grande tête, lui.
ça lui fait une grosse tête, son truc, là. Non, il faut mourir. Fais pas semblant. On va rentrer se reposer un petit peu sur le canapé. Peut-être pas ici. Ah, là, il y en a un. Il aurait peut-être pu nous avoir, celle-là. Mais faut mourir. Ok, toi on va te faire aussi. Et après on devrait être tranquille pour le moment. Il y en a quelques-uns là-bas, on ira les faire après. Là faut mourir aussi. On va juste prendre la planche vite fait qui est au sol. Se refaire une spire encore, encore et toujours. Des spires. Après on peut se reposer ici. C'est safe. Hop là, on se repose. Vérifie bien qu'il n'y a personne, ça arrive. Ok. On l'a vu venir. Hop là, on y retourne. On ne me dérange pas pendant mon repos. Et c'est reparti en accéléré. Il y en a un, deux là-haut. Je sais pas comment, pourquoi ils sont venus. Hop là. Toi, tu es là. J'aime pas taper au sol comme ça parce que ça s'entend. Ok. Commence à être fatigué. 15h20. En même temps, il fait que ça, tuer du zombie. C'est vrai que ça doit être épuisant. Allez, on se dépêche, enlève-moi le trait essoufflé. S'il te plaît, me dis pas qu'assis sur une chaise, voilà. On va se préparer un petit café. Allez, repose-toi au maximum. Ok, ça arrive. On joue pas au fou. Ça sert à rien d'attendre une seconde en plus pour rien. On va juste fabriquer la lance. Ok, le couteau a cassé. On s'en fout, on en a plein d'autres. On va l'équiper à deux mains. Couteau de chasse, on va le préparer ici. Et sinon, on ira en récupérer d'autres sur les cadavres qu'on a tués auparavant. Et ils ont cassé là, ils ont cassé là, ils ont cassé là. Et qu'il doit y en avoir un peu quand même. Oh, il m'a fait peur. Là, le violon a fait son effet. Tiens, ça c'est pour m'avoir fait peur. Ça c'est parce que ta pote m'a fait peur. T'as à croire que le coup de violon les attire aussi? Parce que bizarrement, à chaque fois qu'on a un coup de violon, c'est notre perso qui a peur. C'est à croire qu'il hurle, vous savez, il a plus un petit cri de peur. Allez, dans le couloir étroit, j'aime pas trop. Mais ça va, j'ai vu qu'il y en avait pas tant que ça. Ici, il y en a trois petits qui dorment. J'avais la petite vaisselle. Toi, on t'a vu. On t'a vu. Ça marche beaucoup là. Un petit couteau de chasse, on va le prendre. Ça marche beaucoup. Je sais pas où ils sont. Ok, c'est au-dessus. Ne paniquons pas. Et ça vient de sauter. Juste vite fait, prends-moi la planche. Allez, si on peut les avoir au compte-goutte comme ça, je demande que ça, moi. Ouais, il y a des petits problèmes avec le toit du môle, parce que... Là, je comprends pas, on est dans un couloir, il devrait pas pouvoir tomber du dessus.
La hatchette, elle est cassée. On va faire équiper côté gauche. La spire est cassée aussi. La hatchette, on pourra éventuellement la réparer. Juste faire une lance. Ça tape au-dessus. Il y en a beaucoup en haut. On va aller voir. Allez voir, je ne vais pas faire demi-tour ici. Ça, on peut pas l'ouvrir. On n'aurait pas un autre petit truc à manger. Déjà, tu me prends un petit peu de café. Pour la fatigue, on a du thon qu'on peut manger. On va l'attacher sur le dos et ça, tu vas me... Non, c'est ça, tu vas me manger le tout. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une clé. La pierre, ouais. Il y en a combien là-dedans là? Ouais. Ok, ouais, rien de... Rien d'inquiétant, rien d'alarmant. On s'approche déjà de la fin de la vidéo, c'est incroyable. Comme le temps passe vite. On va faire ce nettoyage. On va continuer encore un petit peu. Oh, il y a un petit runner, on l'a vu. Oh, il y a deux. Il y a deux runners, lâche-moi. Il m'a déchiré ma veste. Vous avez vu comme quoi un seul zombie, hein, ça peut être la fin de tout. On a bien entendu la veste se déchirer. Il y en a un autre là-haut. Mais je veux pas remonter. Il veut pas remonter. Protection, ouais c'est ça, un bras. Il me l'a déchiré. On va aller changer tout ça. Voilà. Ok, je m'attendais vraiment pas à avoir un runner là-haut. Hop, c'est moi qui cours ici, c'est pas vous. C'est bien les runners, ça augmente un petit peu la difficulté. Toi là. Hop, on pourra... C'est dommage, on aurait limite pu se poser ici. Et on entend énormément de zombies en dessous. Javel. Javel. Y a rien d'intéressant ici. Ok, il y en a un qui est monté. Il n'y a que de la javel, du clou, à la limite. Hop. Je t'avais vu. Il m'a pas fait peur. Oh, un peu trop tôt là. Fais pas le con, débile. On est soufflé, on va pouvoir se reposer un petit peu. Oh, il y a vraiment que... Je veux de la javel, je viens ici. Hein. Je veux mettre fin à mes jours, je viens ici. Là, il y a rien. On va courir juste là. Hop là, voilà. J'ai pas confiance. Au passage de la porte. Là non plus. On va se reposer un peu ici. Et il faudrait qu'on aille trouver une veste de pompier. Là où on est rentré, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a parce que là on a le bras droit qui est totalement à découvert. Et je n'aime pas ça du tout. Donc objectif pour terminer cette vidéo, c'est de trouver une petite veste. Et il y a un runner ici, on va vite le calmer lui. Voilà. Pas de pompier par là, hein. Ça tape en haut. En haut il doit y avoir énormément de zombies. Énormément. Toi tu fais le dos. Là,
Là, il y a un peu de peuple. Ouais, ça va encore. Les erreurs s'affichent. Encore une fois. C'est pas cool. Est-ce qu'on pourrait pas... Là, c'est le couloir principal. On va rentrer par ici. On va faire un petit peu de nettoyage. Et j'aimerais bien trouver un pont. Et toi, tu as un... une ancienne survivante. On les a vus derrière, les malins. Ils ne font pas de bruit. Elle a une batte cloutée. On va la prendre, Beretta. Non, merci. On va prendre ça attaché sur le dos. Et le sac à dos, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Non, il n'y a rien du tout. Ok. Je suis par là, venez voir papa. Les deux d'un coup. Impeccable. Là, on retombe ici. On est juste à côté de l'entrée, je crois. D'accord, on est arrivé là, on est passé par là. On a fait tout le tour, on est revenu par là, très bien. Très très bien. Juste regarder. Oh mais non, ça va en attirer. J'aurais regardé à l'étage. Je veux pas être pris dans les marches, on sait jamais s'il y en a en haut. Lui il vient de derrière, je sais pas d'où il vient mais... Il vient de derrière. Oh! Arrête, arrête, qu'est-ce que tu fais là? Je descends pas, il y a l'autre avec une guitare dans le dos. Ok, la chute. Terrible. Est-ce qu'il va venir? On tente d'aller là-haut? Ok. On est là-haut. C'est relativement calme pour l'instant. Y a pas trop de zombies. Je pensais vraiment qu'il allait y en avoir beaucoup plus que ça. Après, ils sont tous en intérieur aussi. Ils sont pas sortis. Allez, faut mourir. Un léger ralentissement. C'est risqué dans les marches. Mais je n'ai pas le choix. Michel, tu viens de me jouer de la guitare là ou pas? Oh, Francis. Tu veux me jouer de la guitare? Non, il veut pas. Ah, méga bibliothèque. Ok. 18h. 18h. On va juste prendre ces planches là. Et on va retourner chez nous. Je n'ai pas de marteau. C'est dommage. C'est dommage, j'aurais pu prendre un lit. On va repasser. On va repasser une nuit. Fume une clope. On va repasser une nuit sur la chaise. Pas grave. Oh, ça revient un peu là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oh, t'es pas morte toi. Attends, bouge pas. C'est pour ton bien. Impeccable. Il y a de la planche ici. On va être fourni en spire. Ce groupe là, faudrait qu'on aille le faire aussi. On va mettre les planches dans le sac à dos. Les clous aussi. Regardez dans le véhicule pour reprendre quelques boîtes de nourriture. Là, j'ai pas d'ouvre-boîte. C'est pas très gênant pour l'instant.
Je sais qu'il y en a plein à l'intérieur. Alors, la veste, c'est celle-là que je voulais prendre, enfiler. Hop, et du coup, l'autre, tu me l'as mise où? Tu me l'as mise là, on va l'enlever. Un spire, lance artisanale. On va en mettre quelques-unes. Un sac à dos. Les boîtes de thon, on va les mettre là-dedans. Et voilà, on aura de quoi manger. On a un casque de pompier qu'on va enfiler tout de suite. Voilà. Et ça, on enlève. Et comme ça, on est protégé au maximum. Lui, il voulait son petit coup de batte dans la figure. Hop là, ce qu'on va faire, on va juste faire ça, équiper à deux mains. Même ici, avec les branches, là, on peut se faire des spires. Enfin, des lances artisanales. Hop. Hop. Ici, je vais prendre le marteau. Il va me falloir une boîte de clous. J'en ai deux sur moi. Les planches, on va les mettre ici. On devrait avoir largement ce qu'il faut. Les poignées, on les met ici. Les charnières, les deux aussi, c'est bon. Une boîte de clous, on va ouvrir une boîte. Hop là, voilà. On est extrêmement lourd. Mais on va faire vite. On va faire cadre de porte juste ici. Pour ensuite faire une porte juste là. Mais non, on ne peut pas. Qu'est-ce qui nous manque? Il manque trois planches. Trois planches. Est-ce qu'on a un rondin? Même pas. Allez, équipe-moi ça à demain, tout de suite. C'est le dernier effort que je te demande pour aujourd'hui. Après, tu vas aller faire un gros dodo. Je te le promets. En off, je vais voir pour refaire un escalier et faire un toit. C'est vrai que la nuit, il fait très froid. Donc, je vais en couper un petit peu avec vous. Voilà. Tenter de faire cet escalier. Voilà, ça devrait être bon. On va juste prendre ça. On peut en prendre une ici. On peut en reprendre ici. Combien? Une. Deux. Ah, trois. On pouvait en prendre trois. Donc ça fait quatre bûches. Ça fera 16 planches. C'est parfait. Hop, je repose la hache de bûcheron ici. Comme ça, je peux la retrouver facilement. On va remonter. On va faire les planches. Ici, on va faire des murs. On va se casser la figure derrière. Et on va faire bûche. Débiter les 4. Voilà, tout ça dans le plus rapidement possible. On est à bout de souffle. Il va arrêter de se plaindre. Et ici, on va faire la construire une porte juste là. Voilà. Est-ce qu'on peut éventuellement faire... je vais pas faire le sol maintenant. Ici, il aurait fallu détruire ça. On ne peut pas, je crois. Construire plus, non, on ne peut pas. Il me faudrait une masse pour détruire ça. Et faire mur. Ouais. L'escalier, alors j'ai combien? J'ai deux planches ici, j'en ai 7, ça fait 9. Hop. On fera ça après au prochain épisode. Là, on va faire un gros dodo. On est encore légèrement chargé. On va laisser ça ici. Les poignées de porte.
La charnière, les clous. Ici, la hatchette qui est cassée. La boîte de clous qu'on n'a pas besoin. Et voilà, on va se manger une petite boîte de thon. Et on va se laisser là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'ici. Donc, jusqu'à la fin. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Encore une fois, je sais, je vous le rabâche à chaque fois, mais ça me fait super plaisir, sachez-le, de partager éventuellement ma chaîne aussi pour m'aider. Ça m'aide énormément et ça me ferait encore plus plaisir de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais que certaines personnes regardent la série sans être abonnées à ma chaîne. Ça me fait plaisir, mais ça me ferait encore plus plaisir si vous vous abonnez. Donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Devil. Ciao, ciao.